Le banco, c'est vraiment l'argile, une terre argileuse qui est spécifique à Agadez. C'est une identité même de la ville. Ça nécessite un long travail de préparation. C'est d'ailleurs la clé même de la réussite du travail de banco. Il faut faire un travail de mixage, d'abord un travail de sélection des matériaux. Ça part de là. Souvent, il faut attendre jusqu'à un mois, deux mois pour bien préparer les banco avant de commencer le travail. C'est un savoir qui existe encore, mais qui est en voie de disparition. Il n'y a que les anciens qui avaient ces connaissances-là. Donc on est dans cette optique de faire perdurer ces techniques anciennes. Les menaces sont multiples, à savoir le développement accéléré. À Agadez, par exemple, avant on avait très peu accès au ciment, des choses comme ça, mais avec les pays frontaliers aujourd'hui, il y a un apport massif du ciment. Et les gens préfèrent faire un travail définitif que de faire du crépissage souvent. On apprend à faire que du béton, donc en fait on n'apprend pas à faire de la terre, et donc ça c'est un enjeu aujourd'hui extrêmement important. Si on veut que les choses puissent perdurer, c'est aussi mettre en place des enseignements formels qualifiants sur ces technologies qui utilisent les matériaux locaux. On a la terre non végétale, donc il y a un ensemble de grains de différentes tailles, et ça fait un béton. Un béton qui est simplement aggloméré par les argiles. C'est vraiment la base magique du pisé. Et donc ce matériau qu'on a extrait du sol, une fois qu'il était mis en œuvre, et voilà ce que ça donne. Donc c'est des strates de terre qui ont été compactées par petites couches dans un coffrage. Et une fois décoffré, on a cette surface lisse qui n'a pas bougé et qui peut résister pendant des siècles. Moins droit ou pas alors ? Ça. On peut parler d'autoconstruction, donc tu peux être protagoniste de ta maison, savoir comment elle a été fabriquée et tout ça. Ça me plaît parce que tout le monde peut participer, donc les plus petits, les plus âgés. Et aussi parce que c'est un matériau totalement recyclable et ça, je trouve ça génial. Et dans mes études, j'avais jamais rencontré un matériau aussi efficace que la terre. J'ai grandi à côté de Lyon, dans une maison en pisé. Je pense que c'est ça qui m'a un peu donné envie de faire de l'architecture en fait. Quand il y a eu les canicules, quand j'étais petite, dans mon école, il y avait la climatisation, c'était l'horreur. Et je rentrais chez moi et c'était un air frais, naturel. Ce que j'aime bien dans la construction en terre, c'est la simplicité. C'est le fait que ce soit un matériau qui est partout, en fait, quasiment partout sur la planète. Là, la terre des murs que l'on a autour de nous, ils ont même pas fait 10 mètres avant d'être mis en œuvre. Donc c'est déjà la première grande valeur, le fait d'éviter le transport et le gaspillage d'énergie. Tous les étudiants, en fait, ont cette envie de passer le relais et ils y croient très fort. De changer les pratiques, de changer le monde et puis de transférer tout ce qu'ils ont appris. Ils viennent déjà avec une envie de relayer la construction en terre et après cette formation-là, ils se sentent encore plus forts. Nous, on a la possibilité de corriger ce problème, cette culture de béton qui se répand aujourd'hui en Afrique. Via les médias, l'homme africain, précisément les Tchadiens, voit ça comme un matériau de luxe. Pourtant, il n'est pas bon pour l'environnement. Donc je suis là pour acquérir quelque chose où il faut aller sensibiliser la population, dire que vous avez toutes les ressources ici. Pourquoi vous voulez copier ce qui se fait ailleurs? Parce que nous n'avons pas les mêmes cultures,
nous les mêmes réalités.